Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter nos séances de grammaire. Donc, c'est surtout les natures des mots. Donc, moi, je travaille un peu les natures des mots, les catégories avec le yoga. Donc, associer le yoga avec la grammaire, c'est vraiment un plaisir absolu pour les enfants et pour moi. Donc, comment on fait? Je vais vous présenter trois choses que je fais avec mes élèves. Donc, vraiment les trois choses que nous avons mis en place jusqu'à maintenant. Certainement de nouvelles choses qui vont en découler. Et peut-être vous allez nous donner d'autres idées. Donc, voilà, je vous propose ça. Donc, j'ai associé en fait une catégorie des mots avec une posture. Une posture qui rappelle un peu aussi cette catégorie. Donc, par exemple, les verbes. Donc là, ici, c'est verbe. Donc, les enfants apprennent à faire la posture avec moi. Donc, je vous expliquerai exactement et je vous montrerai des extraits de comment je le fais avec mes élèves. Ensuite, ici, par exemple, c'est les pronoms, donc les pronoms personnels. Ensuite, pour tout ce qui est déterminant, donc ça fait un D. Adverbe, adverbe. Pour le nom, donc ça fait un N. Adjectif, donc ça fait un A. Et en fait, les enfants adorent. Donc, ils associent une posture avec quelque chose qu'ils font. Et ils doivent répéter le mot dans leur tête. Donc là, je vous donne un exemple et vous verrez également un extrait. Donc, par exemple, si je leur donne le mot chanter. Donc, ils doivent d'abord réfléchir. Comme c'est du yoga, c'est calme. On fait la posture et on vérifie avec moi parce que je la fais aussi. Donc, on fait la posture. On répète le mot chanter. C'est un verbe. Très bien. Donc petit à petit, voilà, on va compter parfois jusqu'à 10. Ça, c'est ce que je leur annonce. Aujourd'hui, on va compter jusqu'à 10. Donc en fait, je leur donne plusieurs mots. Je prends deux postures par deux postures seulement. Donc pour démarrer, j'ai fait pronom et le verbe. Donc vous chantez. Vous. Vous. Donc, ils doivent me faire la posture de pronom. Donc, c'est un P, un pronom. Je fais de la cuisine. Fais, faire, fais. Et ils doivent me faire donc la posture de verbe. Et ils adorent parce qu'ils doivent réfléchir et faire la posture. Donc, en fait, la première séance, mais je vous assure, la première séance a été déjà magique. Les enfants étaient calmes. C'est je réfléchis, je fais le geste. Donc, c'est pas pareil que j'essaye, je lis, etc. Donc, en fait, c'était pas la même difficulté et ça a été très bénéfique également pour des enfants en difficulté qui sont parfois en difficulté face à un texte. Et là, en fait, l'ensemble des élèves ont pu travailler et faire les choses ensemble. Par la suite, je leur ai également imprimé plein de cartes que je vous enverrai aussi, donc j'ai une centaine que j'ai mis en fait, comme vous voyez dans la vidéo, sur la pelouse. Et les enfants devaient choisir une phrase et ils ont lu. Ils ont lu la phrase et ils devaient me retrouver, ils devaient me trouver un verbe. Donc, Ethan danse bien, danse. Donc, ils ont très vite compris c'était... ce que moi je pensais au départ qu'ils allaient peut-être danser, mais en fait non, ils ont tout de suite fait la posture de yoga. Et à chaque fois, ils faisaient la posture de yoga. Par exemple, le pont n'est pas abîmé. Et Samy adore Paris, donc ils ont tout de suite trouvé le verbe. Donc il y en a vraiment plusieurs. Voilà, il y a vraiment plusieurs qui ont été imprimés, comme vous voyez. Et on lit la phrase et soit on cherche le verbe, soit on cherche le pronom, s'il y en a un, ou une autre catégorie. Donc là, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, j'ai introduit cette catégorie adjective. Donc là, maintenant, ils avaient quatre postures aujourd'hui. Donc, il y avait pronom, verbe, adjectif. Et nous avons également travaillé avec le déterminant. Donc, c'est tout un travail, mais tout en faisant du yoga. Donc, le corps était bien, ils étaient à l'écoute, c'était vraiment, vraiment magique. Donc, ça, c'est ma manière d'associer le yoga avec la grammaire.
Ensuite, j'ai une deuxième technique que j'ai également utilisée aujourd'hui. Donc là, c'est un peu moins que le yoga, mais c'est un peu plus fun pour les enfants. Donc, c'était nos communs ou nos profs. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, il fallait faire nos communs et il fallait toucher la tête pour un nom propre. Donc, Paris, Rivière, voilà, enfin, en fonction de chaque mot. Donc, ils devaient soit taper deux fois ou soit toucher leur tête. Tomate, Londres, very good. Mouton, neige, neige, la neige, forêt, une règle, la fille qui s'appelle Clara, Clara. Ce que j'aime bien dans toutes ces activités de yoga, de ce jeu-là, qui est, voilà, c'est pas le yoga, mais je le fais en continuité parce qu'ils sont assis déjà dans leur cercle. Ce que j'aime bien, c'est que leur attention est sur eux. Ils réfléchissent, ils sont vraiment avec leur corps. Non pas en train de, voilà, c'est difficile, voilà, un peu partout. Certains enfants qui ne lisent pas, c'est compliqué. Donc là, j'avais des phrases un peu plus courtes et faciles pour certains enfants. Et j'avais un autre niveau de difficulté ici pour les enfants où vous voyez, enfin, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus en cursif, les phrases plus longues. Donc là, il faut vraiment chercher. Il y a le jardinier se lève tôt tous les matins, donc là, il faut quand même un peu réfléchir. Aujourd'hui, Lola met son manteau vert. Nous mangerons. Donc voilà, ça permet de travailler de manière très très calme avec un petit musique, un peu de musique et c'était vraiment magique. Ils m'ont réclamé vraiment tous les jours et dès qu'ils ont vu les parents le soir, ils voulaient leur montrer « Maman, tu sais, adorer, c'est un verbe, c'est comme ça, avec la posture. » Et donc les parents, ils ont trouvé qu'ils reprenaient aussi les postures à la maison et pour moi, c'est vraiment magique quand ils arrivent à faire ce type de choses. Après donc la grammaire yoga, je leur ai préparé des kaplas. Donc là, comme c'est une école trilingue, nous, c'est vraiment l'anglais-français, donc les mots sont mélangés. On peut trouver par exemple jacket et oiseau, donc ils doivent bien lire le mot. Et donc ici, ça c'était une activité que nous avons fait aujourd'hui, ou avec le kapla, donc ils étaient en équipe et ils devaient prendre un, lire le mot, chercher quelle catégorie c'est et ensuite il fallait faire des tours. Aujourd'hui les catégories que j'avais choisies c'était nos propres, nos communs, mais je fais ce jeu également avec les verbes, pronoms, adjectifs, etc. Donc il doit faire les tours, donc il doit trier tous ces caps-là et créer des tours et on va voir quelle équipe a fait une tour importante. Donc parfois ils font une seule tour, parfois ils font une tour par catégorie. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, enfin, ils ont adoré. Donc voilà mes trois façons d'associer yoga et grammaire, ou un peu de fun avec les kaplas et grammaire. Et c'était vraiment une réussite totale. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire, mais c'est important d'échanger et de proposer des ateliers un peu fun pour nos élèves. Donc voilà, voilà les trois. Si vous avez d'autres postures ou d'autres choses, n'hésitez pas. Je les mettrai également en anglais et en français. Donc celui-là, c'est en anglais. Celui-là, c'est en français. Et je les mettrai en ligne. Il y a des postures en plus. Donc par exemple, quand un enfant ne savait pas, il se mettait dans cette posture-là. Et voilà. Donc j'espère que ça a été bénéfique. N'hésitez pas à m'écrire et me dire comment vous avez trouvé Grammaire Yoga. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos aussi. Et à bientôt. Au revoir.